Salut, c'est Ludo. Troisième jour de notre séjour au Bugey. On est parti pour le lac Genin. Denis est en train de charger tous les vélos. Nous, on va arriver par là, à gauche, là, les marches d'escalier. Ah ouais. C'est haut. Donc ça s'appelle comment là-haut? La descente de Marémotte, ça part d'en haut de la roche, là. Ouais. On descend jusque là en bas. Oh la vache. C'est impressionnant. C'est la descente. Et c'est parti, jour numéro 3. Je peux vous dire qu'on fait moins les malins aujourd'hui. On sent la fatigue. Le DI2, franchement, une merveille. J'avais un peu peur. Je ne l'ai pas rechargé du week-end. J'avais lu que ça tenait 400 heures. Et je pense que on doit y être. Oh là là, c'est magnifique. Oh 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 oh. Ah, ça j'aime moins. J'ai pas envie de salir là. Ça sent le débardage encore une fois. Et ça c'est moins bien. Ça me rappelle des mauvais souvenirs d'hier. C'est moins pire qu'hier. Ouais, c'est vrai, ça va. Ne vous laissez pas dedans. T'as entendu Max? Ouais. Va pas dedans. Je t'ai fait papier. Oh non. T'as plongé? Non. Attends, j'arrive, alors faut que je filme ça. Faut que je filme ça quand même. T'as fait quoi? Je me suis arrêté, je fais un procès de partir. J'ai vu descendre, j'ai vu que ça plongeait. Et puis bon, voilà. Et t'as sorti le maillot? Une caméra. Ouais, c'est une caméra. Oh la vache. Ah ouais. Bah il est lavé, ça y est. Oh la vache. Ah non, mais attends, mais enfin, mais attends. Ah voilà, je vais me mettre derrière toi, Max. Il a pas filmé, c'est con. Ah, c'est dommage. C'est magnifique. Hein. Ah merde. C'était plongeant en tête en avant. Et voilà, on arrive au lac. Et voilà, Max est en train de faire son petit brin de toilette. Ouais, c'est vrai. Une deuxième paire de gants. Ah oui, oh yes. C'est profond là? Ouais, ça va. Ça passe. Excusez-moi. Voilà. Le petit bout de queue qui dépasse, là c'est pas bien. Bonjour. Alors ça mord? Pas du tout. Ah, bon ça va venir. Alors ils sont partis où là? Ils sont là-bas. Parce que là ça m'a l'air bien marécageux. Il y a une belle vue aussi d'ici. Ah, c'est joli, hein? Ah ouais, très joli. Ah, là, l'hiver avec une patte à glace. Ah bon? Il gèle. Ah ouais, il gèle. Excellent. On peut monter quand même en voiture alors ici. Ouais, ouais. Là on se trouve de l'autre côté du lac. On était là-bas juste en face, tout à l'heure. Toujours de magnifiques paysages. Bon, je me suis mis derrière cette fois-ci, Max. Ouais. J'attends la prochaine, sans gravité, bien sûr. Ouais. Toujours de belles cascades, mais propres, ouais. Soft. Magnifique ici. Ok.
les rochers plein d'humus là, c'est beau. Oula, ça m'a l'air bien raide en face. On croise vraiment pas. Il n'y a personne. Aussi bien voiture que piéton. Bon, on vient de s'arrêter. On n'a pas filmé, mais il y a Max qui a fait une très très belle, très vilaine chute, ouais. Pas rapide. C'était pas de la descente rapide, mais il s'est bien viandé sur des vers le rebord là. Il a tapé un bout de rocher qui lui a arraché un peu la peau du tibia. Donc là, ouais, c'est. Il est dans la douleur et dans le dur là. Il est parti devant pour prendre un peu de distance. Nous on s'était arrêté pour changement de batterie. Mais je pense que sur le reste du chemin, il va souffrir. Ouais, il s'est bien mangé le tibia là. Putain, ça commence à gonfler là. Ouais. Le reste, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Oh les cons! Je sais pas si ça va nous mener tout ça. Le mec. Les gars, ça fait une tête, gros. Ouais. Le mec, il passe une vitesse, quoi. Un truc de dingue. Bon, allez, action là! Ça est dans le coup. J'ai plus de vitesse. Un petit 60 au compteur, pas mal. Il y a eu un changement de batterie pour Max. Et de mollet. Tibia, pardon. Oh, c'est joli là, magnifique. C'est beau là. Ouais, très beau. En fait, tout est beau ici. Ouais, tout est beau. J'ai beaucoup moins trop, ça commence à tuer. Oh, c'est beau, c'est beau. Les narcisses. Les narcisses. Ça sent super bon. Ah, il y en a partout en plus. Ouais. Ouais, très joli. Mais quand tu vois ça, comme je disais tout à l'heure, t'as envie de rouler la journée, quoi. T'as pas envie de t'arrêter. On sait jamais dans quoi on tombe. On cherche un petit sentier à droite apparemment et il faut pas le rater. Ah. Oh putain! Ah bah le voilà, c'était lui. Il a pu arriver en mode barbare quoi. Ah c'est clair. À gauche, je passe à gauche. Bonjour. On arrive à la tour. Le belvédère de la colonne. Si vous voulez entendre le souffle chaud dans votre nuque de Max, il faut aller sur la chaîne MTB du Rock XC.
Le jour où on m'entendait plus souffler, c'est que je suis devenu bon. C'est des vrais escaliers. Ah, je crois que on arrive au belvédère. Ça pue à monter sur les pierres au début. Ouais, sympa les marches là, ouais. Alors c'est quel belvédère celui-là? La colonne. La colonne. Alors pourquoi la colonne? Alors ça. Ah, parce qu'il y avait une. On va aller voir plus là-bas. Il y avait une tour, une colonne de rochers. Ouais. En 73, ils l'ont fait exploser. Je crois qu'elle tombe sur la ville de Nanterre. En fait. D'accord. Parce qu'elle avait basculé. D'accord, ouais. Et en fait, en voulant la faire exploser, et ben, elle est tombée dans la nuit avant qu'ils aient la fasse exploser. Ah merde. Il y a toutes les protections qu'on voit en bas. Ah donc ça va, ouais, ça va tenir. Protéger la ville. D'accord. Bon, on a descendu un petit peu plus bas. On n'a pas emprunté le départ de la descente par le belvédère. Denis nous a dit que c'était vraiment très dangereux sur un petit bout là. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Donc il ne veut pas emmener les clients à cet endroit là. Et bon voilà, bon, on va écouter, hein, il n'y a pas de souci. On a une femme, des enfants, on va pas prendre de risque. C'est la dernière descente, ça serait dommage de gâcher un si beau week-end. Voilà. J'ai roulé dans la merde de vache. Allez, c'est parti. Bonjour, merci. On est encore plusieurs là, derrière. Ah ouais, d'accord. Ça repasse. Moi, je vais la faire à pied. Je vais pas me prendre la tête. Je vais la faire à pied. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Oula, oula, oula. Voilà, tu... Relance, hein, ouais. Tu vois là, le petit dévers là, très bien traître. Voilà, c'est ça. Max, tu restes bien sur le chemin. Comment? Ouais, c'est bon, c'est génial ça. On est venu pour ça, hein. Il y a des racines bien traîtres quand même. On est toujours derrière, c'est bon. Va pas trop vite, comme ça je te suis, c'est nickel. Je suis toujours là, c'est bon. Parfait. Yes.
Excellent. Allez, top. Ouais, tu vois pourquoi je voulais la faire ? C'est con parce que t'aurais presque envie de la faire plusieurs fois. Ouais, c'est bon. C'est serré, celui-là. Caillasse. Piéton. Bonjour, merci. Bonjour. On va doucement, mais n'inquiétez pas. Merci, il y en a encore trois derrière. Merci. Non, ouais, non, je descends. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, là, je vais le faire à pied. Un peu surpris par le virage. Ouais, c'est clair. On a pris un peu de vitesse en pensant que ça allait tout droit. Heureusement qu'on a freiné un peu là. Ouais, c'est clair. Sinon, il y a une trace tout droit. Hein. Ouais, bah, je pense que c'est là, hein. C'est bon. On verra. Tant pis. C'est bon. Je crois qu'il y en a un autre là, ouais. Un petit nose turn. Bon. Allez, pieds à terre. Pas de maîtrise du nose turn, donc c'est mort. Ouais, c'est bon là. Hop, c'est bon, c'est presque bon, ouais. Ouais, c'est bon. Toujours par là ? Ouais. Attends. J'avais pas dit à gauche. Non, il y a une croix là, c'est bon. Donc c'est pas là ? Si, c'est bon. Enfin, on va pas, on continue tout droit là. On verra bien où ça va nous mener tout ça. Après, il y a les marches, je pense, bientôt peut-être. Yes. Ça c'est bien, ça c'est bizarre, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est embêtant quand on connaît pas bien les chemins, ouais, c'est. Y a quelqu'un, ouais. Bonjour, merci. Il y a encore trois personnes derrière. Merci. Attention, ça va être raide là, je crois. Je suis pas sûr, mais. Enfin, je connais pas bien, mais bon. Je crois que c'est la fin et on arrive sur la partie raide. La vue elle tue là, génial. Ouais, ça passe. Hein. Avec ce qu'on a fait hier, c'est bon là. Et voilà. Nickel. Au top.
On l'a faite. Putain, c'est trop bon. Alors, tu t'es fait plaisir? Grave. C'est nickel. Fallait la faire. Les épingles. Ah, c'est chaud, moi j'ai passé à pied. J'en ai passé qu'une. Ah ouais, quand même. Une, la dernière, quoi. Ah oui, bah je crois qu'on a fait pareil. Ouais, voilà. C'est pas pour nous, les épingles. Non, c'est pas pour des nosters. Ça a été? Ouais, tu t'es régalé? Parfait. Bon, génial. J'ai pas de trop de force en mes jambes, donc c'est avec les mains, quoi. Ah ouais, mais nickel, ouais, super. Bon, bah allez, donc, je te tiens la. Ça valait le coup. Ouais, je pense que ça valait le coup de la faire, de finir par celle-là au moins. Elle est pas mal, hein? Ouais. De finir le séjour par ça. Ouais, c'était génial, mais c'est vrai que comme c'est la première fois, on n'ose pas, quoi, voilà, on sait pas où on va. Bon, on l'a refait. Combien de temps pour monter? En vrai, juste là-dessus, 20 bonnes minutes. Ah, 20 bonnes minutes, ouais. 25 minutes. Vous voyez quelle heure? Ah, moi, je mens pas. Bonjour. Ah, c'est 11h25. Ouais, non, ça va être mort, ouais. Ça va être mort, ouais. Ouais. Tant pis. Il faut qu'on rentre dans le nord. On mange aussi. Ouais, qu'on mange, c'est vrai. Ouais, tant pis. Et bah, vraiment, une belle aventure. Notre week-end de 3 jours s'achève ainsi. On remerciera jamais assez DJ et Denis de nous avoir régalé pendant ces 3 jours. Vraiment, merci. Parfait. Une belle session pour clôturer ce week-end. Magnifique. J'ai envie de boire, mais c'est fini. Ah ouais, c'est vrai, c'est triste. Ouais. Bravo. Merci. T'as mérité, hein, franchement. Ouais, t'as mérité 2 bières de plus que nous. Ma bière, 2 bières, Denis, c'est une bonne idée de... Nickel. Génial. Franchement, terrible. Génial. Super, j'ai arrivé. Très content d'avoir roulé enfin avec toi. Max? Ouais. Oh putain, bien joué les copains. Bien joué. Bon, ça va, ta jambe? Bah, ça gonfle là, j'ai un petit œuf ici. Et Attends, c'est encore gonflé depuis tout à l'heure. Il a bien gonflé. Ah, il a bien gonflé. Ah, vache. J'ai un tibia en 3D quoi. Ah ouais, t'as 2 genoux. Ah oui, il est encore gonflé depuis tout à l'heure. Hallucinant. Voilà la vidéo de la fin pour remercier tout le monde de ce superbe week-end. Vraiment, on a passé un excellent séjour. Un grand merci à Anne pour le travail. Voilà, elle était derrière tout ça. Elle nous a régalé matin, midi et soir. Et un grand merci à Didier et à Denis pour l'accompagnement et le séjour. C'était top. Un grand bravo. Ouais. Un grand merci à vous. À une prochaine. Thank you.